Salut à tous, c'est Rick Le Gauthier Galaga Musique. Bienvenue sur ce premier tuto piano de la rentrée 2022. Dans celui-ci, nous allons voir ensemble comment jouer le morceau Una Mattina, une pièce écrite par Ludovico Einaudi, parue en 2004 sur son album Una Mattina. Et vous savez certainement que ce morceau a illustré la bande sonore également du film Intouchable. Alors si vous recherchez un morceau qui n'est pas difficile, qui fait de l'effet tout de suite et qui vous fera travailler la technique et les nuances, vous êtes tombé sur le bon tutoriel. Si vous voulez le suivre avec plus de facilité, je vous ai mis à disposition la partition que vous trouverez dans la boîte de description. Le lien vous renverra chez Music Note. D'habitude je bosse jamais avec eux, mais là pas le choix, les Français n'avaient pas les droits. N'oubliez pas de laisser tout de suite éventuellement votre petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous donne rendez-vous tout de suite au clavier pour voir comment on joue tout ça. Alors pour bien démarrer, vous allez placer l'index de votre main gauche sur la note Si, qui se trouve juste un demi-ton en dessous du Do du milieu, ok? Et on va faire Si, puis Do avec le pouce, ok? Dès que ça c'est fait, la main droite jouera les notes Mi, Sol, Si. Donc les notes Si, Do, Mi, Sol, Si. Il s'agit d'un accord de Do majeur 7, avec la septième majeure à la basse, peu importe. Vous appuyez tout de suite la pédale et directement, vous allez voir, ça fait de l'effet. Oh yeah! Ensuite, on rentre de plein pied dans l'intro. Vous allez placer votre main gauche sur la note La, donc une tierce mineure en dessous du Do du milieu, et vous le jouez avec le troisième doigt. À la main droite, vous allez mettre le pouce sur le Mi, une tierce majeure au-dessus du Do du milieu, puis vous allez jouer la note La avec le 3. Et ça va donner quelque chose comme ça. Ah, si, on aura besoin du Si également avec le quatrième doigt. Je vous joue déjà la phrase en question, mesure 1 et 2. Impeccable. Alors vous allez voir, c'est pas très compliqué à jouer, ça fait vraiment de l'effet. Tout de suite, vous allez appuyer sur la pédale, comme ça vous êtes calé, et vous allez jouer ceci. La, mi, la, la, mi, la, la, mi, la, la, mi, la, la, mi, si, mi. Voilà, avec ça, vous avez le découpage global, disons le moteur rythmique de la pièce. C'est comme si vous le comptiez comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Il faudrait que vous considériez que la note qu'on veut entendre, pour que ce soit très musical là-dedans, pour amener justement à interpréter les choses correctement, c'est la note là, c'est celle qu'on appelle 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est celle-là qu'on va entendre régulièrement, les notes aiguës, à part quand on fait le Si, c'est tout doux, d'accord ? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si, Do, Mi, Sol, Si. Génial. Dès que vous savez faire ça, on va attaquer les mesures 3 et 4. On va placer l'annulaire sur le Fa, d'accord ? Quatrième doigt sur le Fa ici. La main gauche joue également d'un note La avec l'index. Quant à la main droite, elle continue de faire résonner ce Mi La en continu. Et on va faire ça, mesure 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Voyez, on retrouve ce système de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Dès que c'est fait, on va jouer à la main gauche Sol avec le 3, puis Si avec le pouce. Et à la main droite, on continue de faire Mi La. Donc même placement, c'est-à-dire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ce coup-ci, c'est long. Et on recommencera à jouer le petit groupe. Cool. Je vous rejoue ces mesures 3 et 4. 1, 2, 3, 1. Reprend. Alors juste avant de vous rejouer les quatre mesures d'affilée, je vous explique un petit peu comment ça va se passer au niveau de la pédale. Si vous avez acquis la partition, c'est marqué en dessous, mais comme là vous ne l'avez peut-être pas sous les yeux, je vous le dis. Alors on commence par le petit groupe, vous savez le Si, Do, Mi, Sol, Si. Je vous avais dit on place la pédale, c'est très joli, ok. Dès qu'on attaque le La, vous appuyez la note et à ce moment-là, le pied attend un petit peu et crac-crac, il se rappuie. C'est-à-dire on veut éviter ça. Genre j'ôte les doigts et j'ôte le pied en même temps. Alors ça fait un trou. Donc on veut créer un tuilage, je le dis à chaque fois, mais c'est exactement ça. Pour éviter comme ça d'avoir un blanc entre les deux mesures et créer une espèce d'uniformité qui va nous servir dans la musicalité. C'est bien dit, hein ? Alors, je vous refais cette histoire, et quand je vous dis pédale,
c'est que je soulève le pied et que je le décale, mais toujours avec cette idée de tuilage. J'attends que le premier temps de ma nouvelle mesure soit joué et crac crac, je change. Donc, démo des quatre premières mesures. 3. Pédale enfoncée pour l'instant. Pédale. Le sol. Pédale. Et je repars au début. Reprise. Directement le la. Pédale. Je la garde enfoncée, la pédale. Fa, pédale. Et ce coup-ci, au lieu d'aller sur le sol, on va jouer le ré à la main gauche avec le petit doigt suivi du la au pouce. Et on conserve à la main droite le mi la. Là, la mesure est assez courte, on va juste faire ré, mi, la, la, mi, la, mi, la, 2, 3, 4. Voilà. Ça, c'était la mesure 5, je vous la refais un petit coup. Ré, la, la, 2, 3, 4. Dès que c'est fait, je vais tirer mon petit doigt, aller chercher le la à l'octave d'en dessous. Et ensuite, je rejouerai le pouce, toujours sur le la, mais à l'octave du dessus. À la main droite, c'est toujours du mi la. Là, en fait, on va retrouver ce qu'on avait au début. Donc, mesure 6 et 7. La, mi, la. Mi, si. Et le petit groupe, si, do, mi, sol, si, et ensuite, bam, on va rentrer dans ce qu'on pourrait appeler le refrain du morceau. Petit truc, mesure 6, quand on va chercher le la avec le petit doigt, vous pouvez garder le petit doigt enfoncé toute la mesure. Alors, je sais qu'il y a déjà la pédale qui est placée, mais ça permet de maintenir une tension dans la main qui va nous aider à faire des jolies nuances. Donc, juste, je vous refais les mesures 5, 6, 7, et puis on attaque donc le refrain, la partie B. 3, 4, le ré, petit doigt. 2, 3, je tape mon la, pédale, maintenant. Je garde la pédale. Petit groupe. Et c'est parti. Et c'est Hollywood, directement. Alors, comment je fais ça? On va voir la main gauche, parce que c'est elle qui fait le travail, on va dire, au niveau du tricotage. Vous allez démarrer sur un Fa à cet endroit-là. Alors, pareil, vous appuyez la pédale, vous allez faire Fa, Do, avec l'index, et on va tirer loin, je sais, c'est embêtant, jusqu'au La, mais c'est hyper important pour avoir un accord qui est bien ouvert. Il s'agit juste d'un accord de Fa majeur, c'est Fa, La, Do, d'accord. Et bien là, il a choisi de faire le Fa, de zapper le La du milieu, de faire le Do, et de mettre le La qui manquait là-haut. C'est une technique très très courante et qui marche super bien au piano. Donc, accord de Fa majeur en faisant Fa, Do, La, Do, La, Do, La, Do. Ensuite, on va faire le même délire sur un accord de Sol majeur. Vous allez tout décaler en gros une touche blanche à droite. Donc, Sol, Ré, Si, Ré, Si, Ré, Si, Ré. Ok ? Et vous allez changer la pédale entre les deux accords. De toute façon, on fait tout le temps ça, on change la pédale quand on change d'harmonie. Donc, Fa majeur, donc pédale. 5, 6, 7, 8, le Sol, pédale. Et ensuite, vous allez faire un La mineur, mais ce coup-ci en faisant juste La, Mi, La, Mi, La, Mi, La, Mi, La. C'est même pas un La mineur puisqu'on n'a pas le Do dedans. Voilà, donc les deux mesures plus fourni de la pièce, c'est vraiment celle-ci, mesure 8 et 9, Fa, Do, La, Do, La, Do, La, Do, Sol, Ré, Si, Ré, Si, Ré, Si, Ré, La, Mi, La, Mi, La, Mi, 2, 3, 4. Et ce qui est génial, c'est qu'on répétera ces deux mesures-là trois fois d'affilée. Yes! Donc pour l'instant, vous le bossez mains séparées, toujours un. Là, au début, on pouvait mettre tout de suite mains ensemble, parce que ce n'était pas vraiment ensemble, d'ailleurs, elles étaient plutôt complémentaires. Là, vous bossez que cette main gauche, comme ça.
Au début, vous regardez vos mains. Vous essayez de bien changer la pédale au bon moment pour éviter que ça fasse une bouillasse. Et vous recommencez ensuite, si possible, sans regarder. Périlleux. Mais à vaincre sans péril, on triomphe. Sans gloire. Ok, on voit ce qui se passe à la main droite. Donc à la mesure 8, on va démarrer sur un La avec le troisième doigt. Bon, là, je pense qu'on va essayer directement mains ensemble parce que là, il y a vraiment très peu de notes à la main droite. Alors, on va taper le La, puis le Fa à la main gauche, premier temps de la mesure 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je tape le sol pédale. Si, La, Si, La, Si. Ok ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok ? Ça, pareil, si nécessaire, vous le bossez 30 fois, comme ça, que cette mesure. Voilà, ce petit si, la, si, la, si, ok, va précéder l'arrivée du la mineur à la main gauche. Donc là, c'est rigolo, on va taper le la, premier temps de la mesure 9. Alors, 8 et début de la mesure 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je termine ma phrase de main droite par un mi joué au pouce. Je vous isole juste une fois la main droite, au cas où. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Et on va relancer, en fait, quasiment la même chose. Alors, je vous refais ces mesures 8 et 9 et on avance un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pédale. Si, la, si. Je garde le si enfoncé. La, mi. Je le tiens que la main droite. Si, la, si, la, si. Ensuite, mesure 10. On va faire la à la main droite. La, mi. En le comptant comme ça à la double. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai fait au niveau des notes ? Mesure 10, je tape la puis mi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Là, on va trouver si, 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 do, si, si, la, mi. D'accord ? On va taper le si 3 fois de suite. Quand on a des notes répétées, surtout quand on en a 3, on essaye, si possible, de changer de doigt pour éviter que... Des fois, le doigt, il se ramollit et puis on a une attaque qui est molle. Enfin, ça fonctionne pas autant qu'on voudrait. Alors, moi, ce que j'ai suggéré sur la partoche, d'ailleurs, c'est 4, 3, 4, 5, 4. Et après, je rejoue mon si avec le 4, parce que c'était quand même plus simple à cet endroit-là. Mesure 10, mains ensemble, on retrouve exactement la même chose que précédemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Et on retrouve le petit groupe. Génial. Et là, vous allez être content, les mesures qui suivent, les mesures 12 à 15, c'est la même chose. Donc, on rejoue le La puis le Fa, exactement pareil que la mesure 8. Et ce La qui termine cette partie-là, cette partie B, il dure super longtemps. J'ai mis un point d'orgue sur la partoche. Dans le morceau, on a l'impression que ça pourrait finir comme ça. Il attend, il attend, il attend, et il va démarrer la partie C, qu'on va voir tout de suite. Alors celle-ci, elle est beaucoup plus facile que ce qu'on vient de voir. Et on retrouve le même principe du 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Il faut juste avoir les bonnes notes sous les doigts, c'est tout. Alors dans la mesure 16, par exemple, on va jouer Do à la main gauche, Do du milieu, avec Sol Do au-dessus, avec 2 et 5. Donc mesure 16, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4.
4, c'est tout. Mesure 17, vous allez jouer Sol avec le 4 de la main gauche, puis Ré et Si avec pouce 4 à la main droite. Même délire. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Donc là, dès que je change de mesure, je change de pédale, puisque l'harmonie est différente. Mesure 18, vous allez jouer La avec le troisième doigt à la main gauche, et puis Mi La à la main droite. Et là, on va retrouver en fait ce qu'on avait au début, c'est-à-dire, alors, mesure 18 et 20 même, puisque du coup, ça s'enchaîne. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Mesure 19. Ouais, la dernière fois, il ne refait pas. Si vous le faites, ce n'est pas très grave, hein, personne ne se rendra compte. Alors, je vous rejoue les 4 premières mesures de cette partie B, à savoir les mesures 16 à 19 incluses. C'est parti, Do main gauche. Sol, Do, main droite, mesure 16. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mesure 17. Mesure 18, pédale. Je garde la même pédale, c'est le même accord, 1 à la mineure, sorte de la mineure. Je fais même un la power chord en fait. Ensuite, on va chercher un Do. À nouveau avec l'index, puis sol do, comme dans la mesure 16. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1. Voilà, c'était la mesure 20. Ensuite, la mesure 20. Oh, désolé. La mesure 21, c'est le pouce sur le mi. Très joli, inattendu. Mi mineur. D'accord, on est sur la note mi sol si. Tout va bien, c'était la mesure 21. Ensuite, mesure 22, on va utiliser le 4 sur le la. Et on retape Mi La au-dessus en faisant ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On l'attend un petit peu. Le petit groupe. Et je refais. Pas besoin de changer la pédale là non plus. Voilà. Ce qui nous intéresse vraiment dans cette pièce, c'est la réverbération, c'est les échos, c'est la profondeur. C'est pour ça que si on a les mêmes notes, quasiment, disons, surtout avec la même basse entre deux mesures, on conserve la pédale pour avoir de la nappe. Voilà. Que ça prenne de la place. Ensuite, mesure 24 et 25, on a Do à la main gauche, suivi de Sol, Do là-haut. Bon, comme dans la mesure 16. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Do, Sol, Do, Do, Sol, Do, Do. Ensuite, même chose que mesure 17, à savoir Sol, Ré, Si. Après, pareil que la mesure 18, à savoir La, Mi, La. Petit groupe. Et on va quasiment en terminer avec cette séquence en allant chercher Fa, puis La à la main gauche, et on alterne avec Mi La au milieu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah oui, alors Fa, La, Fa, La, La. D'accord, on alterne entre les basses comme ça. Donc Fa au début. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 4. Et attention ensuite, comme tout à l'heure, Ré. Donc Ré, Mi, La, La, Mi, La, La, Mi, La, 2, 3, 4. C'était la mesure 29. Donc pour conclure cette partie B, les mesures 30 et 31, vous faites la même chose que dans les mesures 6 et 7. À savoir, je vais chercher le La au petit doigt à la cave et j'alterne avec Mi, La et puis le La au pouce. Vous savez, et on retrouvera. Yeah! Le refrain qu'on avait vu précédemment, donc partie B. Ah, je crois que je me suis remêlé les pinceaux tout à l'heure, je vous ai parlé de partie B. La partie B, c'est ça. Hein. La partie C, bah, c'est celle qu'on vient de voir ensemble et que je vais vous rejouer en intégralité. Alors c'est parti. Donc de la mesure 16 à la mesure 31. C'est parti. Do. Et puis Sol, Do là-haut. Do, Sol, Do. Sol, Ré, Si. La, Mi, La. Je garde la pédale enfoncée.
ensuite Do à nouveau, Sol, Do, le Mi, petit accord de Mi mineur, et le La, Mi, La, le petit groupe. Et le Do, Sol, Do. À nouveau, Sol, Ré, Si. Puis La, Mi, La. Petite attente. Si, Do. Et Fa, Mi, La, La. Ré, pardon, 2, 3, mesure 30, la petit doigt, la, mi, la, la, et c'est reparti sur ce qu'on s'est déjà joué. Alors, dans toute cette partie et également ailleurs dans la pièce, pour que ce soit très joli, pour que ce soit musical, il va falloir que vous appliquiez dedans beaucoup de nuances. Les nuances, ça peut être plein de choses, mais c'est notamment d'installer des intensités qui vont être soit plus fortes, soit moins fortes. Pour que ce soit réussi, il faut que la plupart du temps, que ce soit progressif. Imaginez donc un crescendo. Donc le crescendo, c'est ce symbole-là qui signifie, si vous imaginez que vous avez une chaîne que vous montiez progressivement le volume de, votre, de ce que vous êtes en train d'écouter. Et le décrescendo, au contraire, c'est quand je redescends le volume. Vous allez travailler dans la masse sonore pour essayer d'en mettre quand vous le sentez. Je n'ai pas envie de vous dire à telle mesure vous accentuez, après vous redescendez. Non, vous le faites vivre à votre sauce en gardant en tête cette idée-là. Je vous rejoue juste un petit extrait de, cette partie C un peu plus rapidement en mettant justement davantage d'intention sur ces crescendi et decrescendi. Oui, il y a pluriel en italien, on dit comme ça. Donc, fort. Surprise. Fort. Alors évidemment, c'est toujours facile à dire. Dans les faits, ça l'est moins. Il faut vraiment que vous travailliez sur la force de vos doigts qui puissent attaquer toujours au fond de la touche pour que vous arriviez à gérer le poids que vous allez mettre dedans et le son que vous allez en sortir. Donc dès que vous avez fait la partie C que je viens de vous rejouer partiellement, on réattaquerait le refrain. Je vous le rejoue un petit coup pour le fun parce que ça fait plaisir. Et partie D, la outro ou la coda. Ça va se jouer comme ça, c'est pas plus difficile que le reste. On va commencer sur Fa avec le quatrième doigt à la main gauche, suivi de Mi, La. Ah oui, Fa, La, Fa, La. Donc. Mesure 41, vous faites Sol, Mi, La, suivi du Si, Mi, La. Ok, mesure 40 et 41. Mesure 41 du coup, petite attente suivie du petit groupe, La, Mi, La, vous savez déjà faire tout ça en fait, Fa, Mi, La, La, et Sol, Mi, La, Si, Mi, La, et un gros ralenti.
en gardant l'air comme ça. Ensuite, Eno dit, j'aime moins la partie qui suit, c'est, pour moi c'est plus une espèce d'impro dont le thème est mal défini, voilà. Vraiment, ce qui m'intéresse, c'est cette partie de Una Mattina que je trouve vraiment très très réussie. On a un thème, on a une récurrence, c'est écrit un peu comme une chanson. Aucune touche noire, une mélodie accrocheuse, non, vraiment, c'est du bon boulot, je trouve. Et ben voilà, vous savez tout jouer. Donc comme d'habitude, vous travaillez par petits bouts, parce que ça dure quand même 5 pages. Écoutez beaucoup le morceau original aussi pour avoir le texte en tête, hein, ça aide toujours. Hein. Et puis vous faites des sessions, allez, aujourd'hui j'apprends 4 mesures. Et 4 mesures par 4 mesures, ça ira quand même assez rapidement, sachant qu'il n'y en a que 45. Donc même si vous prenez votre temps, genre en 15 jours, ce morceau, vous l'avez dans les doigts. Le bossez pas tout de suite trop vite. Et puis dès que vous maîtrisez genre 4 ou 8 mesures, au lieu de ressasser la même chose, travaillez vraiment sur le son, sur les nuances, de manière à rendre le truc vraiment intéressant à entendre. Ce qu'on veut juste pas entendre, c'est quelque chose qui soit raide, toutes les notes jouées avec la même intensité, genre... Non, évidemment non, hein. Là-dedans, il faut travailler subtilement. Travaille sur le mystère quand même. Hein. Ouh, il faisait chaud sous ce casque. Eh bien, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous aura plu. C'est Bambou le chien là qui fait la fête parce que le tuto est terminé. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire si le cours en lui-même est efficace, si ça vous a plu. Et je vous donne quoi qu'il arrive rendez-vous très bientôt au détour d'un prochain tuto. Je vous embrasse, bonne musique, à bientôt. Ciao.